Bienvenue pour le nouveau patch 1.09 de Valorant. Voici le menu. On attaque tout de suite. Zéro blabla. Première chose, on a des modifications sur Omen, Jett, Viper, Reyna et Brimstone. On a un opérateur qui se fait bien nerf. Les armes qui subissent une modification, en tout cas une correction au niveau du tir après un saut. Et on a aussi un truc complètement useless au niveau des Riot ID. Donc voilà, tous les gros fils qui sont avec un nom bien chelou et bien méchant ou je ne sais pas quoi, ça dégage. On verra ça dans le patch note. Du coup, c'est parti avec la mise à jour des agents. Au niveau de Omen, du coup, les effets visuels du projet ont été mis à jour pour mieux représenter cette box. Voilà, je vous mets la petite vidéo comparative, comme ça vous comprenez mieux. Voilà. On passe tout de suite à Jett. Donc, Jett, très simplement, je vous explique, le clic droit était jugé trop fort par Riot. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont nerf le clic droit. Ils ont nerf les dégâts dans la tête, la distance et entre chaque kill. C'est-à-dire, si vous faites un kill avec votre clic droit sur un ennemi, le temps de pouvoir faire un autre clic droit, il est diminué. Donc, c'est ce que j'attendais. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, le nerf de Jett. Très content. Très content. On passe à Viper, hein, Viper qui continue au fil des patchs à se faire buff encore et encore jusqu'à ce que ça devienne Dieu, tout simplement. Hein. Elle va créer la vie et résoudre le cancer bientôt. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont mis le carburant à 100, c'est-à-dire votre jauge au début, au lieu d'être à 50, vous êtes à 100. Morsure de serpent, simple. L'altération d'état vulnérable appliquée par morsure de serpent persiste désormais pendant 2 secondes après être sorti de l'acide de Viper. Donc vous avez compris, pour ceux qui sont au fond de la classe, je vous explique. En gros, dès que vous passez dans la flaque, et que vous sortez, ça dure encore 2 secondes. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Et enfin, Nid Vipère, ils ont doublé la vitesse de déplacement pendant le lancement et vous rééquipez plus rapidement votre arme après le lancement. C'est-à-dire que dès que vous lancez votre ulti, ils ont trouvé que c'était trop long pour sortir votre arme. Et apparemment, ça a amélioré le temps de reprendre son arme de 0,4 secondes. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Hein. C'est presque la moitié d'une seconde. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. Donc là encore, on augmente Viper, on la buff jusqu'à ce que ça soit joué, que ça soit peut-être viable. Parce que moi-même, j'ai essayé Viper et c'est compliqué. En tout cas, ce qui est compliqué, c'est d'avoir les bons timings à haut niveau et de pouvoir avancer avec son équipe qui avance très vite avec toute sa panoplie de sorts, etc. Enfin, j'en ai fait les frais, voilà. Hein, si vous voulez me voir jouer Viper en immortel, venez sur mon Twitch, ça peut être peut-être intéressant ou marrant pour vous. Hein, on passe à la suite. Nerf de Reyna, les amis. Bon, c'est un nerf, voilà, ça passe, ça passe. Hein, j'ai eu peur au début quand j'ai vu Reyna, mais ça passe. Première chose, du coup, une chose seulement, le bonus de cadence de tir a été réduit jusqu'à 15%, donc au lieu de 25%, c'était un peu fumé à skip avec les grosses batteuses, et ça devenait compliqué à gérer avec les fusils. Moi-même, je suis d'accord, l'ulti je le trouve déjà pas insane sur Reyna, et c'est vrai que mettre autant de recul dans ta vandale, ça rendait un peu le truc compliqué. J'espère j'espère que ça sera plus simple et que l'ulti finalement sera bien mieux. En fait, je vois pas trop ça comme un nerf vu que moi je joue jamais de batteuse, et je vois ça du coup, si on peut mieux gérer le recul avec la vandale et tout ça, pourquoi pas. On passe à la suite. Brimstone, le bonus de cadence de tir de balise stimulante a été augmenté de 10 à 15%. Donc là, c'est... voilà, hein, ils veulent unifier les deux bonus, hein, Reyna et Brimstone. Voilà, toutes les vitesses de cadence de tir à 15%. On se fait pas chier. Tout le monde à la même vitesse. En tout cas, c'est un buff de la balise stimulante de Brimstone. À voir en partie. Mise à jour des armes. Donc là, ils nous ont fait un petit pavé en mode, les gars, voilà, au fait, ok, hein, l'opérateur s'était un peu fumé. Voir un opérateur round 3, hein, ce que je vous disais dans ma vidéo quand je vous disais vous achetez pas round 2 parce que machin, voilà, hein, là ils ont nerf le truc, donc on pourra peut-être plus jouer opérateur round 3, et c'est pas plus mal parce que voir un gros fils round 3 jouer opérateur, c'est bon, top, hein, ça suffit. Mais voilà, donc en gros ce qu'ils ont fait, c'est que ils veulent vraiment mettre le jeu en mode tactique, hein. Si t'as un meilleur cerveau que ton ennemi, tu gagneras, et c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, hein. Déjà avec les changements apportés sur Breach pour corriger, pour contrer tous les angles et tout, maintenant ils veulent nerf l'opérateur qui est un peu trop fort pour tout le monde, on est d'accord, on est d'accord. Donc l'opérateur, le prix a augmenté, donc de 4500 à 5000, donc ça va empêcher les rounds 3 de jouer opérateur. La vitesse de déplacement en visant a été réduite, donc vous allez être une grosse caravane, hein, quand vous allez viser carrément. Le seuil de vitesse de déplacement pour bénéficier de la précision max a été réduit de 30 à 15%, donc là je vous dis les gars, il va vraiment falloir avoir un bonbon contre strafe bien puissant, parce que de 30 à 15% au début, les timings, vous allez galérer. Moi je joue pas sniper, je m'en fous. Voilà, ça me passe au-dessus. Cadence de tir a été réduite de 0,75 à 0,6. Là, ça fait très mal. Et c'est très bien parce que quand quelqu'un prend un pic, tu piques derrière et que le mec t'en remet une balle alors que tu te dis, mais frère, c'est quoi? C'est une batteuse qu'il a dans les mains? Non, non. Là, ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien. Et le temps d'équipement instantané a été augmenté de 0,3 à 0,5. Voilà.
Là, c'est un gros paquebot, machin. Vous êtes ralenti, vous allez pouvoir tirer beaucoup moins vite, sortir l'arme beaucoup moins vite. Et surtout, on n'oublie pas, les dégâts dans les jambes ont été réduits à 120 au lieu de 127. Je ne sais que dire là-dessus, voilà. Toutes les armes aussi ont été modifiées au niveau du saut, donc les jump shots. Il va y en avoir un petit peu moins, voilà. Donc premièrement, c'est passé de progressif à binaire. La durée de la perte de précision à l'atterrissage a été augmentée de 0,2 à 0,225, voilà. Et la valeur de la perte de précision à l'atterrissage a été augmentée de 5 à 7, voilà. Hein. Donc là, c'est pas mal. Ciao les jump shots, thank you bro. Les techniques, vous aviez le mec à l'opérateur qui faisait un jump, tirer sur un angle en début de partie, hein, voilà, vous ne verrez plus des joueurs comme Tenz le faire, voilà. Mise à jour du mode compétition, après ce patch, vos chances de rester dans une file pendant plus d'une heure devraient être considérablement réduites. Ah, je savais pas qu'il y avait des problèmes comme ça. Perso, moi, en IMO 3, IMO 2, IMO 1, qu'importe le rank, je mets une seconde à trouver une file. I don't know. Bon, mise à jour sociale, voilà. Hein, globalement, je vous fais le topo. Si vous avez un nom de merde, vous êtes ban. Si vous avez un nom de merde, vous devez changer votre nom et c'est normal. Hein. Ça suffit, les gamins qui s'appellent... Bah, je peux pas le dire, du coup. Voilà. Correction de bug, donc il y a 3 corrections de bug. Donc correction d'un problème à cause duquel la hitbox de Sova n'était pas encore correcte lorsqu'il utilisait son drone rapace. Voilà, un petit buff de Sova hein, derrière ce bug. T'inquiète, Sova, on t'attend. Prochain patch, on t'attend. On va te faire un. Hein. Reste pas dans le noir, Sova, reste pas dans le noir. Correction d'un bug à cause duquel la lueur des yeux d'Omen ne disparaissait pas correctement après avoir annulé son ultime. Ok. Et correction d'un bug à cause duquel les préférences de partie personnalisée étaient effacées après avoir quitté le salon de partie personnalisée. Voilà, est-ce qu'on s'en fout? Oui, merci à toi Jeff Landa pour cette communication de patch note. Nous, les amis, on en a fini pour ça. J'espère que je vous ai un peu éclairé. Nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Valorant et pour un stream aussi, n'oubliez pas. Ciao. With that ease, hella clean, rips all on your knees. That's that work when you hurt, my head full of steam.